Hey tout le monde, c'est Delou, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Reden sur le jeu Palworld. Aujourd'hui nous allons battre Bélanoir Libero Ultra. Ouais, le nom est chiant. Vous allez voir que ici le plus compliqué n'était pas forcément de le battre, mais plutôt de trouver à ne pas se faire détruire la base, ou du moins le PC de PAL qu'on pourrait dire. Je vais voir ça par vous-même, j'espère que vous aimerez la vidéo. Des bisous à tous et à toutes, et tchuss. Combien de points de vie? 1 million, je parie. 200 000. Presque 200. Bon, il prend bien moins de points de vie, moins de dégâts carrément là. Super. Je te laisse récupérer les pales et reconstruire. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça fait ça. Est-ce qu'il pouvait t'aider? Alors j'avoue que c'est une super bonne idée d'avoir fait en sorte de pouvoir affronter... Limite là, faudrait qu'on relance le serveur pour enlever la destruction des trucs là, parce que c'est casse-couillon. Mais elle est déjà enlevée. Elle est au minimum la destruction des structures. Je comprends vraiment pas pourquoi ça fait ça. T'avais dit 800 000, j'avais dit 1 million, pile la moitié. Ouais, plus d'entre les deux. Bon, moi j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui nous cassent les couilles et cassent notre camp là. Nul, t'es mort. Même avec une protection au froid, ça marche pas. Franchement, mec, on le faisait large. Hein. Ils perdent pas de vie. Hein. Ah ouais, très vu. Bien vu. On le fait large. C'est un délire. Normal. Tu te fous de ma gueule! Gros, il a pété les plantations, le Galico! J'ai pas dit que c'est vos mères, vous? Et bah, c'est un con, c'est nique ta mère, nique ta mère! C'est vorace. J'ai même pas envie de le faire tant que c'est pas réglé le problème, j'ai même plus envie de le faire là. Ça m'intéresse pas de me casser les couilles à chaque fois à tout remettre. C'est sodomisé en deux. Le bon Thierry s'est accroché, il est mort direct. Ouais, nique ta mère. Finito. Diadème de sorcière ultra. Réduction de type dragon niveau 1, mais c'est de la merde. Fait ressentir toute la puissance maudite de Bélanoir ultra. Très peu sont ceux à savoir à avoir déjà mis la main dessus. C'est moche en plus. Ouais, de ouf.